Ils font preuve d'audace et de créativité. Trois jeunes Sherbrookois ont créé une imprimante 3D. Déjà, des demandes à l'international sont nombreuses. L'imprimante 3D Eleven 3D Printer fabrique en quelques minutes des figurines comme celle-ci, jusqu'au jeu d'échecs, des voitures téléguidées et des drones aussi. C'est vraiment une façon très, très simple et économique de produire des objets. La compagnie ISG 3D est une idée audacieuse de trois jeunes Sherbrookois, Mathieu Côté, Samuel Guilmette et Francis Delonge. Dans le fond, une fois que tu as ton dessin 3D, ouais, tu l'envoies sur ton programme, comme tu le tranches. Ton imprimante reçoit l'information, puis c'est là qu'elle va se mettre à le faire étage par étage. L'imprimante fait le modelage par dépôt de matière en fusion. Elle produit des objets de plastique en trois dimensions d'une grosseur de 40 par 22 par 40 cm, ce qui lui permet de se distinguer de ses concurrents. C'est la simplicité, la grosseur et le prix. C'est les trois majeurs. Ouais. En octobre dernier, leur campagne de financement sur le site Internet Kickstarter a porté fruit. On a réussi à en vendre 15, donc on a atteint un objectif de 20 000 $. Ils offrent aussi un service de dessin 3D spécialisé et l'impression de pièces. On va faire un tout pour que les gens puissent arriver puis mettre ça dans l'ordinateur puis là, un vrai plug and play. Ce marché encore jeune est en pleine expansion, de plus en plus utilisé en construction, en aviation et même en médecine. C'est le monde qui dit dans 5 ans, là, c'est une industrie qui va doubler, tripler, quadrupler. Le monde ne sait pas encore à quel point ça va être gros. Le prochain défi, créer une imprimante 3D au laser, ce qui permettrait de travailler avec des matières comme le métal, l'or, le kevlar ou même l'organique. Bref, là où leur imagination les mènera. Chania Lé, TVA Nouvelles, Sherbrooke.